Ouais, 5 ans déjà. Je crois que ça passe vite. C'est tout simplement la souhaiter joyeux anniversaire, bon vent et beaucoup de courage. Surtout de ne pas baisser les bras. Je sais que la presse en ligne, ce n'est pas facile. Beaucoup de courage et que Dieu leur accompagne dans tout ce qu'il faut. Beaucoup de succès surtout. Je crois que Burkina 24, on ne peut qu'apprécier ce qu'ils font parce que ça participe à la pluralité, à la diversité des informations. Parce que, bon, compte tenu d'un pays démocratique, si nous allons nous fier seulement à une seule information, souvent nous laissons entraîner par ce qu'on appelle mensonge, mais ça participe aussi à la pluralité des informations. Et nous apprécions aussi parce que c'est un travail des humains qui est fait là-bas, donc ils ne font que reporter ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont entendu, donc nous ne pouvons qu'apprécier ce qu'ils font là-bas. Alors je pense que c'est des qualités. Souvent quand on cite surtout les sites, les sources, ça prouve un peu qu'il y a un peu de fiabilité. Ils ont comme dit, les informations sont prévues, ils vont avec l'actualité quoi. Bon, certainement, je peux dire que c'est acceptable. C'est acceptable. Du moment où, en tout cas, si vous rentrez, vous voyez les informations, bon, c'est un peu limité, mais l'essentiel y est. L'essentiel y est. Certainement, bon, s'il y a une possibilité, certainement, de développer aussi. Voilà, j'assurerai aussi. Voilà. Oui, les informations sont souvent crédibles, mais souvent le problème, c'est que ce n'est pas assez détaillé. Donc, si vous n'avez pas les antécédents de l'information, souvent, pour lire et comprendre ça là-bas, c'est souvent compliqué. Comme c'est un site en ligne, on ne peut pas développer tout. Donc, c'est souvent succinct. Donc, c'est ce qui fait le problème. D'abord, je les souhaite joyeux anniversaire. Je trouve que l'initiative est très bonne et je les encourage à suivre ce chemin-là. Alors, j'aimerais faire passer tous mes encouragements, au site Burkina 24 et surtout leur souhaiter bonne chance et surtout beaucoup de réussite dans leur travail et surtout ce qu'ils apportent au peuple burkinabé, les informations, c'est très intéressant, surtout avec le site internet, comme la plupart des gens ont l'habitude de visiter les sites. Je pense que c'est plus facile d'avoir des informations de cette manière-là. Donc, on souhaite qu'ils avancent beaucoup dans leur travail. Certainement, je vais souhaiter certainement longue vie. Voilà, il y a 24, surtout. Voilà, du courage. Je souhaiterais certainement que tout le personnel, avec le PDG, voilà, certainement que vous continuez vraiment de. À toi. Voilà. Je courir de gauche à droite surtout au Burkina, comme la presse aussi joue vraiment un rôle très important. Il faudrait certainement que j'ai vraiment le nécessaire santé pour certainement continuer à nous donner les informations. C'est une équipe qui est très sérieuse, qui est au contact des choses et qui essaie de ressortir tant que c'est une information vraie et juste. Parce que c'est une équipe sur qui on peut compter. En tout cas, beaucoup de courage à eux. Et puis, en tout cas, bon vent. J'espère qu'à l'avenir, ils seront peut-être plus actifs. Bon, mon souhait est que le site continue de grandir, continue d'avoir, que les gens continuent aussi de chercher l'information un peu partout. Parce que dans un pays démocratique, la presse, c'est important. C'est un contre-pouvoir important. Donc, notre souhait est que les gens qui sont, que ce soit le PDG, le DG, tous les journalistes de Burkina 24, qu'ils continuent de travailler en ayant à l'idée que nous sommes un pays démocratique, ou aussi en ayant à l'idée la déontologie et journalistique. Et je pense que ça va aller. Et je crois que si le travail est bien fait, les gens seront dans l'obligation de suivre ce qu'ils font là. Voilà.